Et bonjour à tous, c'est Nicole Chi avec Sarah Ryder sur Mass Effect Andromeda. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où la dernière fois on a réglé des nouveaux problèmes qu'il y avait à Kadara et en attente de des nouvelles de la quête de Pibi, on va essayer de faire cet épisode, essayer de vider tout ça. On va essayer de vider tout ce qu'il y a à faire sur cette planète. Ça serait bien, en fait. Et on va recommencer tout de suite. Il n'y a rien à dire. On va essayer de chercher. Déjà ça, on va commencer ça. Ça, il y a quoi? Aider les chercheurs. Et je sais qu'il y a des débris à faire. Il y a pas mal de débris. Donc, on peut directement se téléporter ici. Et puis, commençons à scanner tous les débris. Puis, on va faire toutes les quêtes à côté sur Harvard. Là, on va faire... On va faire des quêtes secondaires pendant une petite heure et au prochain épisode, on fera, on continuera la quête principale. Alors, conteneur, tout prendre. Débris de l'arche Natonos, marqué pour récupération. On est dans la jungle, terrible jungle. Ah, cache minéral. Oh, tu prends tout. Plus du titane. Alors si à chaque fois il y a des... Ah, en plus il y a des ennemis sur les trucs. Ah, il y en a encore un. On les a tous eus. On va se faire bouffer de tous les côtés. C'est pas grave. Hop, on prend tout. Et ici. Ok. Débris de l'arche Natonos, marqué pour récupération. Bah, c'est bon. Ici, on a deux espèces qui se mettent sur la gueule. Nous, on va les mettre d'accord. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Là-bas, il y a plein d'ennemis en fait. Bonbon enflammé. Faut bien qu'il y ait des méchants au écart. Ok, où est-ce qu'il y a un conteneur, nous c'est le plus important. Ah, c'est une bestiole. Ah, on a des reliquats, on a tout, les reliquats, la faune sauvage et les reliquats. Ok, ma michère. Récupérer des munitions, on va fouiller la dépouille. Et là-bas, on a un truc à scanner. Débris de l'arche Natonos. Alors, est-ce qu'on serait pas près d'une autre quête ici? Non. Alors, on va se de nouveau. Ah, on pourrait descendre comme ça en fait. On pourrait aller se TP ici. Et descendre vers le sud. Vous pensez que ça servait à quoi? Ok, ça nous remet la vie. Débris de l'arche. Ok, ça c'est fait. Natonos, marqué pour récupération. Allez, on va taper les reliquats, c'est peut-être le plus chiant. Un là-bas. Débris
Ok, on peut marcher dans l'eau, ça c'est déjà bien. Et on avait une quête en premier, ok, qui était localiser le site du crash sur Arvar, là. Bon, allons-y. Préparez-vous au combat. Ah, il y en a encore un là-bas. C'est quoi? Un Galorn. Ok, il a rien fait. T'as bien sûrement de l'épave dont parlait Adela. Je crois que c'est bon. Il y en a encore des mobs. Il y a ta dépouille. Hop, on prend tout. Là, il y a des munitions. On va recharger. Et là, on arrive sur inspecter cockpit de vaisseau abandonné. Chercher. Hop, prendre. Et on va scanner tout ça. Apporter la relique d'Avela sur Aya. Bon, sur ce point-là. On peut plus rien faire, faut retourner sur Aya, ça tombe bien, on a une quête sur Aya à faire. Ok, ici, on a de nouveau... le crash du vaisseau turien. Ok, là-bas, un observateur. Et on est bon. Là, il y en a un autre. D'abord, on a encore des observateurs. Je crois que c'est fini. Et on est bon, on peut prendre la dépouille. Bien joué. On a un conteneur à chaque fois qu'on est... Et on peut scanner ça. Marqué pour récupération. Récupérons, récupérons. On va continuer par le sud, hein, comme on a dit. Allez au point de rendez-vous sur Arval. Vérité, intrusion. Un message anonyme. Ok, une histoire de message anonyme. Bon, on va y aller. Hein. Cette planète, quand j'avais fait ma première partie, j'avais pas du tout aimé. Parce que je m'étais beaucoup perdu. Mais là, ça a l'air d'aller. Ce sont les coordonnées qu'on nous a envoyées. Dans le message à propos des Galariens. Alors, on va y jeter un œil. Des cartes. Ah, des cartes. Ennemi droit devant. Oh, il y en a qui a bien volé. Sacré. Ok, terminé. Les tuyaux anonymes. Jetons okay. Un coup d'œil. Ils ont peut-être laissé quelque chose. Nickel, c'est super nickel. Ok, on va scanner. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors ici, il y a une caisse. Fourniture carte, examinée. À en juger par leur équipement, ils espéraient capturer quelqu'un. Probablement moi. Désolé. Coucou, Salen. Si vous aviez versé une goutte de sueur, j'aurais été encore plus désolé.
C'est vous qui nous avez envoyé le message à propos de l'Arche galarienne ? Oui, Major Salen Varn, du GSI. À la retraite, bien sûr. Le GSI, si on connaît Mass Effect, premier du nom, on sait ce que c'est. C'est les Galariens Secret Intelligence, un truc comme ça. Le GSI, qu'est-ce que c'est ? Le groupement spécial d'intervention. Ouais, groupement spécial des d'intervention. Agents de terrain chargés de renseignements et de la résolution de problèmes. Des espions ? Des assassins ? Si vous préférez. Comme je vous l'ai dit, je m'en tiens à retraiter, maintenant. Un espion ne prend jamais sa retraite. L'espionnage est un métier qui vous suit partout, même à travers les galaxies. Jusqu'à ce que votre conscience finisse par vous rattraper. Soyons honnêtes, il y a trop d'incohérences sur notre arche. Elle ne s'explique que si quelqu'un nous a vendu au Kert. Mon suspect numéro 1 est un biologiste, le docteur Adan. Mais les preuves sont ténues. J'ai besoin d'une pionnière pour vérifier ce que j'ai trouvé. Faute de quoi, je risque d'arrêter un innocent. Parlez-moi du docteur Adan. Qui est ce docteur Adan ? Pourquoi il aurait trahi son arche ? Un ex-biologiste de l'armée qui faisait partie de la première équipe réveillée sur notre arche. Il prétend étudier les cartes. Quant à savoir pourquoi, je compte bien lui demander. Ouais, mais pourquoi tu ne demandes pas justement à Ager, ton pionnier ? Vous ne pouvez pas demander l'aide d'Ager ? Ager est trop inexpérimenté pour être corrompu, mais son équipe, c'est une autre histoire. Vous, en revanche, vous êtes digne de confiance. Si vous étiez impliqué, vous n'auriez pas sauvé notre arche. J'accepte. D'accord, comptez sur moi. Et comment on l'arrête, votre traître ? J'ai deux pistes. L'équipement du docteur Adan, et un Kert que je soupçonne d'être son complice. J'ai besoin que vous et votre Sam meniez l'enquête. Si on prouve que le docteur Adan est en contact régulier avec les Kert, on le tient. Et qu'est-ce que tu veux lui faire ? Quelle est la peine habituelle pour avoir collaboré avec les Kert ? La plupart des gens se contenteraient de le livrer à la foule en colère, mais j'aime à penser que la justice n'est pas un concept révolu. Souvenez-vous, l'équipement du docteur Adan et son contact Kert. Il nous faut une preuve irréfutable. Bonne chance. Ok. Donc il faudra retourner sur Völd. Alors, durant la cinématique, j'avais vu un conteneur qui est ici. Ah, et on a débloqué un seuil du Nexus. Cool. Ok, bon, on retournera sur Völd. Hop, on va faire... On va chercher le dernier qui est ici. Enfin, le dernier ici. On a... Grimpante. Ok, on s'en est débarrassé. Débris okay. De l'arche Natonos. Marqué pour... Récupération. Récupération. On sait tout ça. Donc, on est bon. Ici, on n'a plus rien à faire. Là, on peut descendre. Mais c'est pas ce qu'on veut encore. On va finir à récupérer les deux derniers trucs. Et on va continuer de fouler toute la zone de Harvard. Et si il reste du temps, on ira voir, retourner sur Völd pour justement voir cette histoire de Kert. Conteneur déjà. Débris de l'arche Natonos, marqué pour récupération. Ok, il nous a pas vu. Lui par contre, il nous avait vu. Ok, on a des re-écarts aussi. Qui nous embête, hein. On a des grimpantes. Moi aussi, j'ai une épée. Je crois que c'est bon. Ok, le dernier est là-bas. Un conteneur qu'on prend tout. Et on grimpe. Et on grimpe un conteneur, on prend tout. Et on a fini. Nous avons trouvé tous les débris de l'épave de Yann sur Avar. Bien, dis à nos équipes de récupération de les récupérer. Donc, on a récupéré les bouts de morceaux de l'arche turienne. Et à côté, on a la bière expérimentale.
Alors lui, il veut des plantes, hein, ces trucs comme ça. Si jamais votre peau entre en contact avec la substance gluante qui les recouvre, nettoyez-la au plus vite. Pas d'imprudence avec la flore locale, d'accord ? Oh ! Ça sera bien la première fois que je qualifie des champignons de magnifiques. Ok, on a plein de reliquats. Sans compter qu'on a un annuleur. On l'a eu, il reste un assembleur là-haut. Ok, on l'a eu, il n'y a plus personne. On va reprendre de la vis s'il faut. Du nickel, c'est super nickel. Et le champignon bioluminescent. Ah, c'est ça en fait. C'est pas le gros champignon, c'était le petit. Bah alors, faut le récupérer. Ok, c'est bon. Rapporter le houblon bizarre Harvard d'Avard au Vortex. Ça, on le fera aussi, mais plus tard. Donc là, on peut continuer et aller par là. Donc ça, c'est quoi? Cette quête. Moi, je voudrais cette quête-là. Bon, on va continuer à s'avancer. Je pense que ça se déclenchera à un moment ou à un autre. Il y a des munitions, ça c'est cool. C'est vrai qu'il y a pas mal d'ennemis dans le coin. On a trouvé les chercheurs piégés dans les champs de stase. Ah, ok, c'est ça. Exactement là où Kira nous l'a indiqué. Est-ce qu'on peut... Alors, déjà journal. Donc c'est une histoire de... C'est une histoire de... Population alliée... Eleus, Avarl... Aide aux scientifiques d'Avarl. On les a. C'est ça? Ok, on scanne. Et ici, on a une histoire de Sudoku. Ici, on a le glyphe. Et à présent, pouvoir activer l'interface pionnière. Bah, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va jouer au Sudoku, je pense. Ouais, du Sudoku. Allez, on est parti. J'ai combien de clés de cryptage? 6. Bon allez, on va pas on va contourner le cryptage, on va pas s'embêter. Et on les a libérés. On voit sur les moniteurs. Scut, étoile de Scut. Quoi? Qui? Comment vous? Étoile de Scut. Je m'appelle Ryder. C'est quoi Scut? Pionnier Ryder de l'initiative Andromède. Je viens d'une autre galaxie. Prenez votre temps, retrouvez vos esprits. Ah, en fait, il était bloqué. Encore vraiment des dans aliens le qui débarque de nulle part. Et déjà dans le temps. Aucun d'entre vous ne se souvient d'être entré en stase. En stase? Je ne comprends pas. On travaillait sur le monolithe et ensuite... Ensuite, vous êtes apparu. Donc vous étiez en stase. Vous devriez rentrer à Pelav. Kiran voudra certainement vous parler. Vous avez sûrement raison. Oh, je commence à avoir la migraine. On devrait les accompagner jusqu'à la station. Au cas où cette stase aurait des effets secondaires. Ok, on va aller les voir juste après. Ah, quoique. Ah, il y a un point de... Hop, annulé. Quoique, vu qu'on va après, on va aller là, on peut aller se téléporter ici et les voir tout de suite. Et mettre fin à cette quête. Ouais, j'aurais pu jouer au Sudoku, mais voilà quoi. On a des clés de cryptage, en plus ça s'achète dans le jeu, donc on va pas s'embêter.
Allez. Vous ne sentez rien de différent ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Vous, oui ? J'ai l'esprit embrumé, mais c'est peut-être juste la fatigue. Bah après, ça dépend combien de temps t'étais en stase. Kiran. On a retrouvé vous tes scientifiques. Kiran nous a tout raconté. Elle avait même des photos. Je vous prie de m'excuser pour l'accueil désagréable que je vous ai réservé à votre arrivée. Bah, c'était compréhensible. C'est pas mais grave. Mais vous en faites pas. Est-ce qu'on peut devenir pote ? Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Les derniers aliens que vous avez rencontrés étaient les Kert. Ryder, ce que vous avez fait ici, avec votre compréhension des reliquats et votre Sam, ça devrait convaincre Ephra que vous êtes un atout. On devrait lui parler le plus tôt possible. Sur le Tempête, peut-être. Kiran, j'ai réfléchi. Si Ryder sait se servir de la technologie reliquate, on pourrait pas réparer les monolithes et arrêter le déclin d'Avarl ? Le déclin d'Avarl ? C'est long à expliquer. On en parlera plus tard, quand vous aurez le temps. Bah allons-y, je pense que t'as une quête à nous donner. Vous avez mentionné que cette planète était en déclin ? Elle n'en a pas l'air, mais Avarl est malade. Ça a commencé ici, des mutations incontrôlées de la vie organique. Certaines espèces meurent, d'autres se transforment en poison. On commence à observer la même chose partout. L'écosystème de la planète s'effondre lentement, mais sûrement. C'est à cause des monolithes. Il n'y en a que deux, alors qu'il devrait y en avoir trois. Ça m'a l'air facile à réparer. Donc, je vais au troisième monolithe, je l'active, je réinitialise le caveau, et voilà. C'est justement le problème, Pionnier Ryder. Il n'y a pas de troisième monolithe. Il est perdu. Comment on peut perdre tout un monolithe ? Pour autant qu'on le sache, il a pu être détruit. On n'a jamais essayé de demander aux sages. Il y a peut-être quelque chose dans leur tradition orale. Par les étoiles. Ces ermites superstitieux n'en ont rien à faire des Angara modernes. Vous le savez aussi bien que moi. Vous avez vu les projections de survie de la planète. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Et qu'est-ce que c'est, vos sages ? Des sages ? Une tradition orale ? Sur Mitrava, le vieux bâtiment reliquat, là-bas. Leur famille remonte à l'époque juste après le fléau. Ils pensent que l'isolement préservera la pureté de leur histoire, en empêchant la contamination par la pensée moderne, au sens le plus basique. Ils ne comprennent probablement pas qu'Avarl est en train de mourir. Ou alors ils s'en moquent. Et y a pas un autre moyen ? C'est la seule solution ? On ne pourrait pas retrouver l'emplacement du troisième monolithe à partir des deux qu'on connaît ? Ah, on a déjà essayé, mais les connexions entre les monolithes se sont détériorées. D'accord. Le chemin qui gravit Mitrava est infesté de reliquats. La plupart d'entre nous ne s'y risquent pas. Mais vous pouvez toujours essayer. Bah moi j'aimerais suivez bien essayer. Suivez la rivière reliquate et faites attention. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur pendant que vous cherchez une vieille légende. Ok. Une planète à l'agonie. Tac, trouver l'entrée du sanctuaire de Mitrava. Ah, intéressant comme quête. On va... Hop. Et donc, il faut aller par là. Mais moi, je vais aller par là. Récupérer les données de la console personnelle. De... Rachil. Donc on va y aller, c'est pas trop loin en plus. Ici on récupère munitions, tout ça. Je rappelle qu'on n'a pas le droit aux nomades. Donc on fait tout à pied sur cette planète. Au moins c'est bien, ils ont fait une planète où vraiment on peut rien faire. Pionnière, ça c'est cool. Vous n'êtes pas loin de ce qu'il reste de ma maison. J'ai détecté de nombreuses formes de vie dans la zone. Leurs mouvements semblent agités. Je crois qu'on a dérangé un mec. Allez, boum, pour vous enflammer. C'est bon ? Ça a l'air d'être bon. Hop. Hop. Les fibres d'écaille. On peut... reprendre des munitions. Oh ouais, sa maison elle est bien endommagée. Hein. Ok, on a des trucs à scanner. Ici, cache minéral. On prend tout. Oh, encore du titane. Pionnière, le système de l'ordinateur semble... Pionnière, le noyau de données de l'ordinateur est irréparable. D'accord. Rachel, ici Ryder. On est dans votre ancienne maison, mais vos données de recherche n'ont pas survécu. Vous avez fait tous ces efforts et pris tous ces risques pour rien. Je suis désolée. Ça doit être dur. Je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez. Je n'aurais pas dû me bercer d'illusions. Vous n'aviez pas de sauvegarde ? Bien sûr que si. Mais elles ont disparu avec le centre mémoriel du réseau de la ville. Ce site est enterré maintenant.
Même si vous réussissez à trouver un point d'accès à la surface, les chances de récupérer quoi que ce soit sont très minces. On ne peut pas abandonner. Les bons scientifiques n'abandonnent pas avant d'avoir épuisé toutes les possibilités. Si vous voulez continuer, je vous suis. Je peux vous indiquer la direction générale du centre mémoriel du réseau. Vous devrez chercher un nœud de réseau exposé. Je reste avec vous. Merci, pionnière. Ok, trouver un nœud d'accès. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Moi, ça nous mène juste là. Allez, hop, on se TP, on s'embête pas. Et on va essayer de voir, de restaurer ce nœud de sauvegarde qui est juste là. Ok, là on est bon. En tout cas, ça a pas l'air de reset les mobs. Prudence, on ne sait pas ce qui a causé ce feu. Ah ok, il y a un feu là-bas. Ici on a un conteneur. On prend tout et là on a un ordinateur. Connexion au réseau établi. Je me connecte. Recherche en cours. Je les ai trouvés. Je télécharge les dossiers de recherche. Et voilà. Vous avez réussi. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Je n'étais pas seul. On a réussi. Hourra. Maintenant qu'on a ces données, on va peut-être pouvoir récupérer tout ce qui a été perdu dans ce désastre. Je vais prévenir mes collègues. C'est un véritable exploit, pionnière. Et de rien. Bah voilà, nickel. Donc on va aller pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a des autres quêtes sur les autres étages? Ici on a quoi? Un déclencheur de souvenirs. Faudra aller le chercher. Parce qu'on a toujours ce truc de Jean Carson et un autre déclencheur de souvenirs ici. Et là, ok. Et là c'est un autre truc. Donc on va essayer d'aller chercher ça. Je vais mettre un point ici. On va se TP ici. On va essayer de trouver le point de TP là-bas. Et en fait après on va descendre. Au moins, on aurait l'autre point de passage. Alors, est-ce que... Ah, quelque chose me dit que c'est là-haut. Comment aller là-haut? Bah alors? Ah, ok, bon. Ah, un conteneur! Oh bah c'est bien ça. Ok, en fait, le but du jeu, c'est d'aller là-haut. Mais je sais pas comment y aller. C'est pour ça que j'avais pas aimé cette planète, parce qu'il y a un endroit où justement j'avais pas réussi à y aller. En espérant qu'on le trouve. Bon, ça c'est la rivière Relica, où il y en avait plein qu'on a tapé pas mal de Relica. Ou alors c'est il faut continuer la quête qu'il y a par là, et justement on atteindra, parce que là il y a un escalier là-bas, et donc peut-être que ça va nous faire monter de l'autre côté. Parce que ici, je suppose qu'on peut pas, y aller. Hein. Ouais. C'est bien ça. Donc, on va suivre la quête du sanctuaire de Mitrava. Peut-être ça va être force. J'espère. Je dirais pas qu'il y a de fortes chances, mais j'espère que ça va nous mener au point de passage. Ah. Du nickel, c'est super nickel. Couteau jaune à la plonge. Continue d'avancer. Là, il y avait plein de reliquats. On avait tout tapé. Ah, oh, c'est bien. En fait, on avait déjà tout nettoyé. Ici. Là, non. Ah, ici, il y a une porte. Ok, on connaît cette porte. Ok, là il faut trouver un moyen de grimper en fait. À partir de là. Ah, ici il y a quelque chose. Ok, console le reliquat. C'est bon. Atteindre le sommet. Ok, donc ça nous fait... Oh, c'est un puits gravitationnel. Oh, ok.
Alors quand j'ai fait ma première partie, j'ai jamais été ici. Ici on a quoi? Un puits de gravité. Ok. Voyons ce que ça donne. Ah, on est tout en haut. Ah, là-bas en face il y a un autre truc en fait. Ah, on n'est vraiment pas au même endroit. Hein. Ou alors le puits de gravité va nous mener en face. Ah ouais. Ah cool. Coucou les nazes, je vole. Ok. Est-ce que sur la carte, ça nous met en face? Oh ouais, ça nous met dans la bonne direction en plus. Donc il fallait pas... En fait, il n'y avait pas de chemin, c'était bien ça. Halt pour regarder. Ok, c'est là-haut. Hop là, un conteneur. Bonjour le conteneur. Merci le conteneur. Ok, on continue d'avancer. Et on a le puits qui va nous mener là-haut. Bah, allons-y. Ça s'ouvre pas en bas. Donc on va grimper. Ok. Ok, nice. C'est cool. Donc... Atteindre le sommet de Mitrava. Est-ce que la porte... Est-ce qu'on a une porte ici? Je n'étais jamais monté jusqu'ici. J'avais entendu parler des sages de Mitrava, mais ça ne m'avait jamais vraiment intéressé. Pourquoi? Une histoire est faite pour être racontée, non? Si les récits de notre passé restent secrets, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ok, ça me paraît logique. Ça c'est quoi comme quête? Ok, ça doit être ça. Ok, on va s'en foutre de ce truc, on va continuer la quête. Apparemment on peut bouger comme ça, bah le conteneur il est là. Oh, c'est même pas celui-là en fait. Est-ce qu'on peut faire le tour? En fait il est de l'autre côté. Je pense qu'on peut faire le tour, parce que là, si on tombe, on tombe. Ce qui me paraît logique. On a... Ok, le conteneur, il était défendu par un annuleur. Et on prend tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, on peut le looter. Fiole de graines, fiole forgée du chaos. Ok, bah c'est différent, ça on connaît pas ce truc. Enfin, du moins ça me dit rien. Ok, on va aller de l'autre côté. Ici on a un conteneur. Ah non, en fait, il faut sortir par là, c'est même pas une porte. Je pensais que c'était une porte. Alors, on peut pas traverser par là, parce que... En fait, on tomberait dans le vide. Hein. Et le jeu, je pense qu'il veut nous faire comprendre. Alors, si on passe par là... Ah, déjà... Déjà, on peut passer par là. Thank you.
Ok, il y en a encore. J'atteins pas d'ici. Un conteneur. Ok, on l'a eu. Ah, truc à scanner. Console reliquat. Qui mène ici. Ok. Interagir. Ok, ça n'indique un chemin pour aller. Et si on continue par là, donc on a un peu de vie. Et ici on tomberait. D'accord. Ok, on est bon, on peut continuer. Je me demande si les sages du coin savent quelque chose sur les reliquats. Il faut peut-être pas s'attendre à ce qu'ils nous racontent leurs secrets. Je ne compterai pas dessus. Ok, console reliquat, je suppose que ça va faire construire le pont. Ok, on est bon. Un conteneur. Enfin, tout compte fait, je pense pas qu'on va aller sur Völd. Ok, les copains, ils se bastonnent, on va laisser se bastonner. Nous, on continue de grimper. Une console reliquat, encore. Joli travail. Alors, ah, c'était le pont ici, je pensais que c'était le truc sur le côté. De la vie, pourquoi pas. Et on arrive à une porte avec des cristaux de méditation. Regardez. Voilà. On a une belle vue de la planète. Ok, un autre puits de gravité. Alors, est-ce qu'il y a un truc à fouiller là-haut? Oui, il y a un truc à fouiller en haut. Une neurobobine intacte. Et, allons-y, est-ce qu'on grimpe encore? Ouais, on grimpe encore. Je pense que le point de passage, il va être là-haut, en fait. Découverte, Mitrava. Vous avez franchi notre sécurité. Comment est-ce possible? Vous êtes des aliens. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ryder, et je suis pionnière de l'initiative Andromède. Je viens de la Voie Lactée. Cela n'explique pas comment ni pourquoi vous avez réussi à ouvrir les portes reliquates. Peu importe, vous devez partir. Nous ne recevons pas d'invités ici. Avarl Périclite. Si vous me donnez des informations sur le monolithe perdu, je vous aiderai à le réparer. À réinitialiser le caveau. Avec l'aide de Ryder, Avarl pourrait guérir. Notre planète d'origine serait restaurée. Ça n'en vaut pas la peine. Il est perdu. Les souvenirs de son emplacement n'ont pas été récupérés. À Mitrava, nous avons accepté la déchéance d'Avarl. N'abandonnez pas. Vous allez abandonner votre planète? Mais c'est le berceau de votre espèce. Vous ne voulez pas la sauver? Il y a un gouffre entre vouloir et pouvoir. Ce que vous demandez, personne ne peut vous le donner. Le souvenir du monolithe réside sur un fil qui n'est plus à notre portée. J'ai du mal à vous suivre. On croit en la réincarnation. Un fil continu.
Il y a longtemps, quelqu'un connaissait le troisième monolithe. C'était Zorai, un champion des Angara, né avant le fléau. L'âme de Zorai est revenue, et nous pourrions lui demander de se remémorer le passé. Mais nous n'avons aucun contact avec elle. Je ne vous crois pas. Je n'arrive pas à le croire. Attendez, je ne suis pas sûre de comprendre. Quelqu'un pourrait se souvenir du monolithe parce qu'il l'a vu dans une ancienne vie ? Les âmes reviennent dans leur famille. Un objet, un héritage étroitement lié à cette lignée pourrait faire remonter des souvenirs. Mais ce n'est pas garanti. Nous savons que c'est arrivé en de rares occasions par le passé, avec d'autres âmes. Le seul héritage connu de la famille de Zorai est dans une zone occupée par les reliquats. Personne n'a survécu au voyage. Mais vous, peut-être. L'âme de Zorai s'est réincarnée en Taavos, qui est désormais un Rohikar. Il est revenu récemment en mission sur Avarl. D'accord. Un Rohikar. On va essayer de pas le tuer. C'est pour ça que vous êtes là, Jal. Ça ne va pas leur plaire que je vous aide. C'est peut-être une impasse, mais on doit essayer. Je vous enverrai les coordonnées nécessaires. Nous pensions qu'Avarl était une cause perdue, mais peut-être que maintenant, il reste un espoir. Ok, allez à l'endroit mentionné par Esmus. Est-ce qu'on peut reparler à Esmus ? Je vois que vous êtes encore là. Oui, ah, la réincarnation. Dites-moi plus sur votre croyance en la réincarnation. On va savoir plus sur les sages. Au fil ah, et vous voyez à gauche, il y a un souvenir. Yeux, elle gagne en sagesse. Ça, on va le prendre. Comment aussi. Grandir si on ne se souvient de rien ? La croissance de l'âme est différente de celle de l'esprit. Les souvenirs ne sont pas nécessaires au développement de l'âme. D'accord. Certains prétendent même que les anciens souvenirs sont une distraction inopportune. Une personne peut devenir obsédée par le passé, et dans ce cas, son âme stagne. L'héritage, dis-moi plus. Vous avez parlé d'un héritage, un objet qui, selon vous, pourra faire remonter les souvenirs de Zorai. Les âmes reviennent dans leur famille. Parfois, les souvenirs du passé peuvent être rappelés par un objet qui compte pour cette famille. Nous ne comprenons pas pourquoi ni comment cela se produit. Et ce n'est arrivé qu'en de rares occasions. À chaque fois, l'héritage était une pièce de technologie Angara, antérieure au fléau. D'accord, et qui était Zorai ? Dites-moi plus sur Zorai. Les récits le décrivent à la fois comme un érudit et un soldat. Il a parcouru les étoiles et rassemblé des connaissances dans des lieux lointains. Certaines histoires racontent même qu'il connaissait les créateurs des reliquats et leurs machines. Ok. Et le troisième monolithe ? Nos légendes racontent que Zorai a cherché les monolithes après l'apparition du fléau. Il est mort. Et nous ignorons s'il a réussi à accomplir son objectif. D'accord. Et Mitrava et votre isolement ? Pourquoi est-ce que vous restez isolé ici ? Le chaos engendré par le fléau a scindé notre peuple et a bien failli détruire notre civilisation. La peur s'est emparée de nous. De fausses croyances sur notre malheur se sont propagées et ont commencé à influencer la pensée Angara. Afin de maintenir l'intégrité de ce qu'elle savait être la vérité, 4 familles ont quitté la communauté pour s'installer ici. Nous sommes restés ici depuis ce temps. D'accord, bah merci. Je m'en vais. Merci d'avoir parlé avec moi. Je vous en prie. Alors, ici on a... En plus il y a une quête qui vient de pop. Un déclencheur de souvenirs. On va le prendre. Sam, c'est encore un déclencheur de souvenirs ? En effet, mais rien n'a été déverrouillé dans ma mémoire. Des déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. D'accord, je pense que c'est le deuxième qu'on a vu. Ah, c'est quoi ça ? Sculpture Angara. Pierre dure, ignée, inconnue, fer, 300 ans, de marque légère d'outils à la surface de ces statues indique a été sculpté non moulé. Inscription. Maran, le refuge, et les autres membres de notre peuple nous ont toujours méprisés quand Geffro a décidé de nous emmener vivre loin d'eux. Il fallait trouver un lieu sûr. Maran a réussi à exploiter ses connaissances sur les reliquats pour nous trouver un refuge ici que nous appellerons désormais Mitrava, le sanctuaire. Est-ce qu'il y a d'autres statues ? Ah, il y a d'autres sages. Sage Amroud. Amourde, pardon. Amurde. Il est difficile
d'envisager la possibilité que je ne reverrai peut-être jamais Amara. Pardon de vous interrompre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Amurd est malade. Amurd. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Amurd, cette étrangère est peut-être en mesure de t'aider. Si elle est allée à Pélave, il est possible qu'elle ait vu quelque chose. Je suis allée à Pélave. À vrai dire, je viens de Pélave. La petite station de recherche ? La station de recherche. C'était un grand village autrefois. Un dar. Amara s'y est installée quand elle a quitté Mitrava. Pélave a été envahie par la jungle, tu te souviens ? C'était il y a quelques cycles. Tout le monde est parti. Ah. Oui, je m'en souviens maintenant. Ce qui veut dire qu'Amara est partie. Il est peut-être toujours possible de la retrouver. Tous les Dahara conservent des archives, non ? Si une évacuation a été organisée, il devrait y avoir un compte-rendu. Un compte-rendu qui indiquerait certainement où elle est partie. Pala, tu es génial. Où se trouvent ces archives ? Sûrement dans un bâtiment administratif, s'il est encore debout et que les machines fonctionnent. Les chances sont minces. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse étrangère, mais j'aimerais avoir des nouvelles de ma sœur. Mais non, on va t'aider, t'inquiète pas. On attend, qu'il y ait un moyen de traverser le gouffre pour atteindre l'ancien Pélave. Ok. Il y a une autre quête qui a pop. Ici, on a un conteneur. On prend tout. Alors, eux, ils disent rien. Inscription. Est-ce qu'on peut... Inscription. Geffro, le fondateur. Suite à la destruction de notre civilisation par le fléau, nous avons sombré dans le chaos et la peur et perdu notre identité. Geffro nous a écartés de cette influence et nous a éclairés sur notre passé. Un cœur éclairé sait ce qu'il a été et un œil éclairé voit ce qu'il est devenu. Par contre, j'ai vu aussi le... Ah, ben voilà. Notre point de TP. Déploiement automatisé de la station avancée. Ça vous dérange pas, hein ? Non, c'est bien. Cache minéral. Hop. Ah, ici. Ah non, c'était pas un point blanc. Le nomade ne peut pas être appelé ici. Merci, je suis au courant. Alors, ici. Inscription. S'élave la mémoire. L'histoire est un souffle. Elle nous habite, nous donne la vie. Elle ne peut pas être capturée. S'élave a décidé qu'une fois tous les 50 cycles solaires, nous contacterions les archivistes d'Aya pour renouveler nos connaissances sur notre peuple. Ainsi, nous nous souvenons. Ok. Ici, on a Jarvé. Module de données Mitrava. Est-ce qu'il y a encore des... Ah, ici, on prend... Il y avait une autre quête, hein, on a vu. Donc, Jarvé, t'as un truc à nous dire, hein, parce que vu que t'as un nom... Ah, parfait. Je voulais vous parler. Comment vous faites pour utiliser la technologie des reliquats ? J'ai une IA. Avec une intelligence artificielle qui m'aide pour l'analyse et la traduction. C'est ça votre truc ? J'aurais jamais cru. Les Angara qui vivent à proximité des reliquats apprennent parfois à se servir de certaines technologies. Mais ça demande énormément de concentration. Et on comprend pas vraiment leur fonctionnement même quand on arrive à les utiliser. Les Angara et les reliquats. Donc, vous pouvez vous servir de la technologie des reliquats, mais vous ne comprenez pas son fonctionnement ? Pas toute leur technologie, non. Comme je l'ai dit, certaines machines seulement. À Mitrava, par exemple, certains d'entre nous peuvent contrôler le système de sécurité qui protège le sanctuaire. Cette aptitude a été transmise de génération en génération. Moi, ça m'a pris une année pour apprendre à ouvrir une simple porte. C'est là toute la différence entre savoir qu'on peut manger les fruits d'un arbre et comprendre pourquoi cet arbre donne des fruits. C'est logique. Je devrais y aller. Faites à votre guise. D'accord, à plus, merci. Module de données de Mitrava. Ce terminal d'avertissement rencontre des problèmes occasionnels, à savoir des vidages de mémoire soudain. Jarvé doit s'en occuper. Bientôt, en attendant, essayez de ménager votre système. Ok. Ok. Mise à jour de la généalogie. Ok, quittez. Ça déclenche des quêtes ? Bon. Alors toi, c'est une quête... Toi, t'es un sage et il n'y a plus de statut. Ok, c'est bon. On va parler donc à la sage Flera. Esmus vous laisse vous promener sans surveillance. Vous venez d'interrompre notre cours. Pardon ? Je n'ai rien contre une petite interruption.
Mes excuses. Désolée, je ne voulais pas vous déranger. Et pourtant, vous êtes toujours là. Comme je l'expliquais, le système de propulsion qui a permis à Béchal de s'envoler s'inspirait de 4 machines des reliquats. Et ce n'est qu'un exemple. Nos avancées ont principalement été rendues possibles par la découverte d'artefacts reliquats. D'accord, les artefacts. Où sont les artefacts dont vous parlez ? Ceux qui existent encore se trouvent dans les archives d'Aïa. La plupart d'entre eux ont cependant été perdus. Le bruit court néanmoins qu'à force de remuer le sol, la jungle finira par mettre à jour de nombreux trésors enfouis. Il serait sage d'étudier tout ce qu'on trouvera. Il y aura peut-être quelque chose qui nous donnera l'avantage sur les guerres. D'accord, et les progrès Angara ? Vous croyez que les Angara tiennent leur principale découverte scientifique des reliquats ? Il ne s'agit pas d'une simple croyance, il s'agit de faits établis. Certains artefacts avaient même été laissés inachevés, comme pour nous montrer de quelle façon les assembler. Reprenez votre cours. Je vais vous laisser faire votre cours. Il était temps. Obtenir les dispositifs Rolika. Obtenir des terrés sur Arvaral. Ok. Donc... bah voilà, on a débloqué... est-ce qu'on a débloqué ? C'est celui-là ? Ah, même pas. Ah, c'est même pas celui-là qu'on a débloqué, en fait. Tac. Et il y avait un autre ici, en fait. Un autre déclencheur de souvenirs. Alors par contre, je sais pas du tout par où il faut aller. Est-ce qu'on peut utiliser ça, ton puits de gravité ? Allez. Je vois que vous êtes encore là. Non, bah c'est, je me suis trompé, je voulais... Merci d'avoir parlé avec moi. Moi, c'était lui que je voulais. Merci, le puits de gravité. Allez, on redescend. Ici, on a... C'est notre copain. Alors, si on prend la carte, on est où ? Ah, on est au... On est où ? C'est 2 étages en bas. Ah, ici, on a un conteneur. On l'a même pas pris. Ok, on descend comme ça. Ah, on est apparemment au bon étage. Alors. Non, même pas. Ah, c'est encore en dessous. C'est encore en dessous. Ok, maintenant il me dit que c'est au-dessus. Oh non, on est bon. On est bon, on est bon. On devrait être bon. Ok. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah ! C'était bien ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On est sur le bon truc ou pas ? Ou alors c'est encore en dessous ? Est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut le voir d'ici en fait ? Est-ce qu'on peut descendre d'un étage ici ? Je ne sais pas. Ah, hop. Ah non, chute à l'avant. J'aimerais bien le trouver, n'empêche celui-là. Ah, on va prendre le puits de gravité. Et si on le trouve pas, c'est pas grave, j'irai chercher moi-même.
Oh, mais ça nous fait descendre vachement en bas tout ça. Ah, le point il est vachement haut hein, maintenant. Bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver. Comment il s'appelle, lui ? Comment on pourrait y aller ? Alors déjà, si on sortait... On sort par là ? On sort par là. Est-ce qu'il y a une porte là-bas ? Non, il n'y a pas de porte. Ah, il faudrait aller à droite en sortant. Ah ouais, mais on peut pas traverser. Voilà, là-bas, est-ce qu'il y a une autre porte ? Ce serait sympa s'il y avait une autre porte, mais je pense pas, on a déjà regardé, ouais. Alors, on va essayer de regrimper, mais je pense pas que ce soit ça, hein. Puis de toute façon, je vois mon chronomètre qui file, qui tourne, on va s'arrêter là, je pense. On va essayer de voir si je trouve le... comment dire... Le déclencheur de souvenirs. Et puis après, on fera un nouvel épisode pour déclencher le caveau de Havarl. Pour voir où cela va nous mener. Alors, est-ce qu'on peut grimper là? Oui, on peut grimper là. Ah, je suis sûr qu'il y avait moyen de grimper là-haut. Ouais, il y a moyen de grimper là-haut. Mais est-ce qu'il y a moyen de rester là-haut? Alors, si on va pas trop vite, on pourrait le faire. On devrait pouvoir le faire. Ok. Ici, on a un conteneur, ça tombe bien. Bah non, il n'y a pas moyen d'y aller. Pourtant, hein, je sais qu'on n'est pas loin en plus. Hein. Il est là, il est là. Mais ouf, exactement. Bon, c'est pas grave. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.